Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, non pas du Freestyle Fantashow, mais de ce qu'on aurait pu appeler le guide pour bien débuter à Minecraft, épisode 16. Et oui, parce que une mise à jour importante est sortie aujourd'hui. Et bon, je ne peux pas faire, bon, étant celui qui a initié beaucoup de francophones au jeu Minecraft, je ne peux pas passer à côté, même si notre ami India Natu a sorti sa vidéo aujourd'hui avant moi. Purée, quelle rapidité, quel talent, bravo, bravo, bravo. Je ne vais essayer de ne pas te copier, India Natu, mais de faire ma petite vidéo où je présente succinctement les principales modifications de la version bêta 1.2. Si je me fais pas tuer, lamentablement, dès le début. Alors, ça, c'était mon ancienne petite carte solo que j'ai abandonnée parce qu'à l'époque, j'étais vraiment un très piètre architecte. Le talent venant avec l'âge. Donc, j'ai besoin de tuer ce squelette. Si on me laisse le faire. Ah ouais. Ok. Pourquoi j'ai besoin de tuer ce squelette? C'est parce que j'ai besoin d'un os. Pour vous montrer, parce que maintenant les squelettes drop des os et ben on va essayer de vous le prouver en image. Alors, l'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux qui suivent la chaîne de manière assidue. Sachez que, alors je sais pas, voilà, il est là celui que je cherche. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ouais, je peux pas parler en même temps et faire un truc comme ça. Ouais, un os, vous l'avez vu, c'est merveilleux. Je peux aller me cacher comme le couard que je suis. Donc merci, merci vous qui suivez ma chaîne, parce que j'ai atteint aujourd'hui les 200 000 vues. Alors quand on pense qu'au bout de un mois, j'avais atteint 5 000 et que là, en une journée, j'ai fait presque 40 000, c'est carrément génial, génial. Donc voilà. Si un sponsor quelconque veut profiter de ma notoriété et m'aider à financer mon prochain ordinateur, bienvenue, soyez bienvenue. Voilà. C'est toujours agréable de pouvoir vivre de sa passion, même si je ne compte pas dessus, hein. Je fais ça complètement pour le fun. Et votre fun aussi. En tout cas, continuez, c'est cool. Je pense que ce jeu a de longues heures devant lui, même une bonne année de. C'est une révolution du jeu vidéo, il faut le dire. Bon, fini la papote, l'autocongratulation. Il est temps de vous montrer les nouveautés. Parmi les nouveautés qui quand même, vont ouvrir un petit peu des possibilités du jeu au niveau artistique, on peut noter la création de 15 types de couleurs. Voilà. Donc les fleurs, déjà, maintenant ça va servir à quelque chose de les ramasser. Rose Red, les fleurs. Vous pouvez. Il y a aussi l'apparition d'un nouveau monstre. Hein. On va attendre le jour, on va essayer de l'attraper. Parce que ce nouveau monstre, c'est un poulpe. Hein. Et il lâche de l'encre. Donc 15 nouvelles couleurs, un nouveau monstre. Et des couleurs qui nous permettent de colorer la laine. La laine qui devient utile. Je disais que je faisais pas la collection, mais si, maintenant je vais faire mes bâtiments. De temps en temps avec des parties en laine parce que ça fait un bloc de couleurs et en sachant qu'il y en a 15, les possibilités deviennent immenses, vous rendez-vous compte. À noter la découverte de ça. Alors l'os apparemment peut être transformé en bonne mille, alors je suppose de la poussière d'os qui peut servir à teinter la laine, donc revenir à son état normal, ou alors à faire des mélanges, et par exemple du rose. Du rose, voilà, pour les filles ne sont pas oubliées, ou alors si vous assumez votre côté féminin, vous pourrez faire des beaux bâtiments roses. Et d'ailleurs, le rouge, je trouve qu'il rentre très bien. Je vais mettre un peu de rouge. Voilà, alors il y en a 15, hein, je ne les ai pas toutes faites, hein, le jeu vient d'être lâché quand même, hein, je suis pas champion du monde en plus. Non, voilà. Voilà, donc je découvre comme vous. À noter aussi l'apparition, il y a des bonus cachés, hein, donc j'ai
probablement pas encore découvert. Là, maintenant que le jour va pas tarder à se lever, il va me falloir du bois. Parce que ouais, bah, j'en ai pas. Donc peut-être je vais faire une pause de temps que je ramasse du bois. Il faut qu'on aille voir ce nouveau monstre. Hein. C'est obligé. Obligé. Et ben, on se tente. On se tente. Qu'est-ce à noter? Ah, il a rajouté aussi des nouveaux tableaux. Normalement, notre ami Notch. Voilà. Hop. Hey, mais pourquoi tu bouges pas? Oh purée, j'ai trouvé le moyen de mourir. Non! Allez, coupure. À tout de suite. Alors, je suis en train de me rapprocher de ma maison. J'en profite pour vous montrer ce magnifique mouton noir. Et oui, ce jeu s'améliore de jour en jour. Quelle est l'utilité, me direz-vous? Je suppose que c'est pour l'utilisation de la laine noire. Voilà. Donne-nous de la laine. Voilà. Je récupère mon stuff et je vous montre les nouveaux artisanats possibles. Vous voyez là le bambou là? Ben ça y est, maintenant tu vois, ça ressemble, mais c'est pas du bambou, c'est de la canne à sucre qui vous servira quand même à faire du papier comme avant, mais également du sucre parce que en étant nommé jeu indépendant de l'année sur un site internet IndieDB. INDIEDB.com, il vient d'être nommé. Il avait fait la promesse d'ajouter The Cake, donc un gâteau. Et bon, bah, il a tenu sa promesse. Hein, donc maintenant, on a besoin de sucre si on veut faire des gâteaux. Donc ça va être la prochaine étape. En sachant que je vais avoir besoin du bois. Le bois qui va me servir de faire de nouveaux blocs. Boîte à musique et distributeur. Distributeur qui aura une utilité, qui pourra avoir une utilité d'arme à distance. Donc, je vous explique tout ça dans un temps record. Donc, je vais faire des trous dans le sol. Voilà. Je vais me faire des planches. Alors, moi qui me plaignais hier que je pouvais rien faire avec la redstone. Et bah là, je peux. Note bloc, boîte à musique. J'en fais un autre. Et je vais pas tout vous spoiler, mais en partie quand même. Alors c'est un peu gros doigt ce que je fais. Ça. Deux, trois blocs notes. Ok. Hop, ça là. Et. Donc il me faudrait aller du sable, c'est très bien. Alors, je vais poser le bloc-notes en fait, si c'est une boîte à musique, qui va vous nous faire un bruit différent en fonction du support sur lequel on le pose. Bon, et là, ça va m'en faire 4. Oh là là, la fatigue. Ça va m'en faire 3, évidemment. Et je vais les poser. 1. Raté. Ouh, on va pas aller loin. 2, 3. Alors, clic droit permet d'augmenter la note. Clic gauche de la fixer, donc ça peut vous permettre de faire la hauteur de note. Ah, ça rend bien. Voilà, et donc une autre dimension artistique au jeu, une dimension musicale. Donc couleur et musique, je peux vous dire qu'il y en a, ça va péter sur YouTube. Voilà. Autre crafting possible, c'est le distributeur qui permet de distribuer des objets de manière aléatoire. C'est la première fois que je l'essaye. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que j'ai manqué? Je vais faire une pause là pour vérifier tout de suite ce que je fais comme bêtise. Ok, alors de brèves révisions m'ont permis de retrouver la recette. Alors, ça se fait avec des blocs. Donc ça, c'est parce que je suis riche et des briques dans mon four. Des blocs de cobblestone, comme un coffre, un début de patron de coffre, un arc au milieu et un bloc de redstone. Et qui va nous faire, ben non, je profite pour me faire une torche de redstone, qui va nous faire un dispenser, donc un distributeur. Alors, première fois que j'essaye le distributeur, ça fonctionne comme un coffre. On peut y mettre un petit peu de tout, ça peut distribuer un petit peu de tout et ça peut être activé avec de la redstone. L'utilité, moi, que j'ai trouvée la plus sympa, c'est celle-ci.
Si j'ai bien lu, tout comme il faut. Ça peut nous permettre de faire des pièges, je vais les activer. Hop. Voyez ça? Ah, c'est coup par coup alors. Voilà. Et on peut les récupérer les flèches, hein. En théorie. Donc voilà le distributeur qui distribue. Et si je clique dessus, non, il fait rien. Donc c'est activé à la redstone. Voilà, voilà qui ouvre des possibilités supplémentaires. Alors, essayons d'aller trouver quelques vaches, parce qu'on peut les traire maintenant. Hein. Ça serait sympa à faire, si on peut. Et allons voir un petit peu ces nouvelles créatures aquatiques. Les vaches. Allez, tiens. Il me faut 3 seaux de lait. Voilà, si j'ai pas le temps de faire la recette ici avec vous. 3 seaux de lait, je vais viser le pi. Hop. Ouais. 2. Non, il n'y a plus de lait. Ouais. Et 3. Voilà, c'est fait. Ok, on va aller sous l'eau. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un œuf, monsieur le canard? C'est qui donne les œufs là? C'est pas toi normalement? Bon, d'habitude on en trouve et on sait pas quoi en faire. Alors, non, c'est pas toi. Allez, on y va sous l'eau là, on va les trouver ces petits poulpes. Et donc dans ce cas-là, je garde la recette du gâteau pour le prochain épisode, si vous n'avez pas découvert tout seul de votre côté. À moins que je triche un petit peu et que je me rajoute des œufs dans mon inventaire. Les poulpes. Ah, vous voyez, ça bouge là-bas. Eh. Ah, c'est dommage, vous voyez pas. Comment faire? J'ai peut-être une citrouille sur moi. Oui. Avec une torche. C'est pas l'inverse? Ça marche plus, ça? Elle est déjà allumée, Jaco-lanterne. Allez. On va éclairer. Apparemment, elles sont pacifiques. Voilà. Allez, viens. Bon. Voilà, on a bien vu sa tête. Bon. Voilà. Allez, meurs. Et elle me laisse de l'encre. Ça peut servir, ça. Pas la bonne épée. Enfin, c'est pas... Allez, meurs pas. C'est pas le moment. Voilà, bah, c'était un épisode avec beaucoup de choses à faire. Je vais voir si j'ai le temps maintenant de vous montrer la recette du gâteau. Et puisque je suis un magicien, vient d'apparaître dans mon inventaire, comme par hasard, 7 œufs. Eh oui, c'est ça quand on est un professionnel de Minecraft. Donc j'ai juste le temps de vous montrer le gâteau. Le gâteau dont la recette est assez particulière. D'abord, il faut transformer la cata à sucre en sucre. Évident. Je vais mettre mes 3 seaux de lait en haut. Il fallait à tout prix vous montrer le gâteau. 3 seaux de lait en haut. Les sucres sur les côtés. Un œuf au milieu. Et en bas, du blé, évidemment. Voilà, toute la recette pour faire un cake. Un cake qui, stratégiquement, peut être très utile. Parce qu'en fait, on le pose par terre. Et on peut l'utiliser en plusieurs fois. Et il nous donne 6 fois 1,5 de vie. Voilà, donc ça peut faire et une belle décoration et un petit élément stratégique pour vos batailles. Vous le mettez dans un coin. Voilà. Donc c'était le dernier épisode du tutoriel pour bien débuter à Minecraft, bêta 1.2. Et nous continuerons bientôt avec le Freestyle Fantasho. Merci d'être fidèle à la chaîne et merci pour vos encouragements. Bye bye les jeunes.